917,5 millions de dollars, c'est la valeur du contrat qu'Ethiopian Airlines a signé avec le groupe américain General Electric pour l'acquisition de 12 moteurs et leur entretien pendant 10 ans. Un autre contrat conclu avec l'entreprise Honeywell porte sur un financement de 10,2 millions de dollars pour l'agrandissement de l'aéroport international d'Addis Abeba et un contrat de service de 7,2 millions de dollars pour les groupes auxiliaires de puissance. L'Éthiopie est aujourd'hui un pays qui a une aspiration régionale extrêmement importante. C'est le siège de l'Union africaine. Et donc, ils veulent absolument s'imposer par rapport à la concurrence comme un véritable hub de l'Afrique en matière d'interconnectivité. La raison pour laquelle ils investissent sur des compagnies américaines, c'est à cause de leur flotte, bien entendu, mais également pour des raisons géopolitiques. D'un autre côté, Ethiopian Airlines, qui souhaite développer son service d'assistance technique, a confié à l'Agence de commerce et de développement des États-Unis et à Sabre Corporation un programme de formation Airline Solution. Ce sont un peu plus de 21 millions de dollars qui seront nécessaires pour financer l'achat de solutions informatiques, de services, de conseils et de meilleures pratiques industrielles. L'objectif, c'est de donner l'image positive à la clientèle quant au sérieux et à la qualité des équipements qui sont utilisés par la compagnie et donc assurer leur attractivité. Tout ce qu'on peut souhaiter à la compagnie, c'est que cela se répercute sur la clientèle et bien entendu sur la fréquentation au niveau des différentes lignes et aussi que les lignes sur lesquelles ils ne sont pas actifs deviennent des lignes tout à fait commerciales pour eux. Et l'objectif, c'est toujours un retour sur investissement par rapport aux investissements qu'ils sont en train de consentir pour l'instant. Ces accords commerciaux vont contribuer à l'amélioration des performances d'Ethiopian Airlines. La compagnie qui a réceptionné le 5 juin dernier son 100e avion dessert près de 120 destinations à travers le monde avec une force de travail estimée à 14 000 personnes. Aussi, Ethiopian Airlines opère désormais avec l'une des flottes les plus jeunes et modernes au monde avec un âge moyen de moins de 5 ans.